mbote na bino nyonso bana Congo bisika nyonso bozwami na les 5 continents monde pe na kati ya mboka na biso RDC mbote bele lelo eza masoloka ka mboka na biso ndenge ya momesoni liboso na bino José Matuvangwa mwana manyanga le communicateur oyo tango nyonso ninga ka kopesa bino sango ya mboka parce que bisika nyonso bazali ba kongomani baninga ka bayeba qu'est-ce qui se passe dans notre pays lelo tozana quelques points à Kolobela, Ramaphosa invite le président Félix Tshisekedi à dialoguer dans Rwanda. Deuxièmement, tu viens de commenter ma solo réaction il y a FCC, Nassima, il y a Kadima, Kobengisa, Joseph Kabila, le lingue à Kosala Kango, Naba, opposant Moussoussou. Troisièmement, tu viens de commenter la caractéristique du phénomène insécurité, Nakatia, Kishasa, et surtout phénomène kidnapping, il y a enlevé Batou. Ndeto ko telema mingi na bisika wana alors na ko pesa na nwa information bande ko nyonso baza na ba ONG ba ASBL donc ba association ba linga basunga kisasa baza kana posa batia ata forage moko quelque part na maluku na ntsele na plateau na kimbanseke bumbu selemba bisika ba pompe ya rigide zo ezate ke balingi batia ba forage pona kosunga population to bisika nyonso na sengi na ba ONG nyonso wana na ba particulier pe balingi ke batia ba forage na bango bisika moko songolo pona azwa kama mpe mbongo na ye ba contenter ngai ba contenter ngai na numero nanga ona kopesa na suka na koyeba ko orienter bango akile droit pona akita sur terrain na za na ba équipe ona ye bi ba expert ba kosala musala wana ya koyeba na ko tia ba forage bisika oyo batu ba sengi bango bakutambula tena plateau bakokoma ta bisika nini bakokende esengeli kaka yo mtu azana posa ke batia leo forage na primoko ya bien okosepela contacte ngai na numero nanga na kopesa na suka ya emission okozala discuter pona kolukela bana Congo mai ya malamu de l'eau de qualité donc na beti mbelanga na ba ONG na ba association na ba particulier obalingi basika bazali batia ba forage banande na kubandela nanu na isika wana bambote bele pa ya bande kwa nyonso ba na posa pe ba postule na kati ya deputation nationale courage lokola papa Philippe Mavaka pe mama Sara Lilonga nangai moko José Matuvangwa na souhaiter quand même courage na musala ngolo to bandana no kubeta masolo ya mukola lelo eza masolo nini to bandana no si je n'ai pas liboso le président Félix Tshisekedi invité par le président ya Sud-Afrique Ramaphosa pour na dialoguer na Rwanda. Alors réponse à Mukonza Mboka. Mukonza Mboka président Félix Tshisekedi y a lobby que papa Mukonzi accuse le Rwanda de vouloir ridiculiser son gouvernement légitime en l'envoyant de discuter avec le M23. Et c'est la première fois d'entendre le Rwanda parler que nous refusons de discuter avec le M23. Ah. Et aussi là, le Rwanda n'a jamais reconnu que c'est lui qui agresse, qui fait l'agression en RDC. Et c'est lui, le Rwanda, qui nous dit que la RDC refuse de parler, de dialoguer avec le M23. Wana mukonza mboka en tout cas, azoko funda ka Rwanda, oyo mboka oyo zoko ridiculisé. Hein? Donc kochola. Amunoka mboka biso to baka kuvweza. Donc Rwanda weti vweza mbata de la RDC, si eto ya RDC. Le Rwanda est en train de ridiculiser notre gouvernement légitime en envoyant discuter, en l'envoyant discuter avec le M23. Bah, qui est de Kosovo, là, bah, M23. Autrement dit, bah, ça, bah, groupe terroriste. Mais Kagame, à son lobaké, et d'ailleurs, c'est la première fois qu'on a posé le Félix Ayokake, Kagame, qu'on lobaké, non, RDC, à son qu'on refusait qu'on dialoguait na M23. Oh, bah, ça, bah, tout, bah, terroriste. Ba supplétif ya Rwanda ba ya to dialogue na bango wana za ko ridiculiser mboka na biso ya RDC. D'ailleurs, le Rwanda n'a jamais reconnu son agression et il est le seul dans le monde de ne pas reconnaître
son agression na mokata mboka RDC parce que ba expert ya Nations Unies ba sala déjà rapport na bango que le Rwanda qui agresse la RDC à travers le M23 ba sala ba viol der tozana nani na biso moko sénateur na biso akendeki kaka mikolo yo kaka na parlement européen sénateur na biso akendeki na parlement européen sénateur wana kumba ladi yango tikala akendeki na parlement européen kuna na Bruxelles né alobaki que le sénateur congolais révèle que la communauté internationale finance Paul Kagame pour violer et tuer en RDC. Donc même communauté internationale atana sima ya Kagame à travers le M23 pour nous violer Kosala Makamunyosuana. Donc sénateur Wake coûte plus loin encore pour nous colobaké et ça coûte Rwanda présenter mes projets et ça la communauté internationale mutra ko tinda ka Rwanda a violé Asala Makambona nyoso. Alors, tu n'as pas dit que Rwanda a été en train de se faire. Mais Rwanda a été en train de se faire. Il y a un Congolais. Il y a un problème congolo-congolais. Il y a un problème. Il y a un problème. Le président Félix Tshisekedi a appelé la parole à Rwanda. On a refusé pour dialoguer. Il y a un problème qui a passé. Et ça, en 2013. Oye tindaka gouvernement congolais a signé ba corps pona koloba ke partout na nyosa est lokola izaka mingi na bitumba toko décréter yango zone sinistrée pe zone wala toko sel lango statut particulier donc ekotika la sous mboka yana kati ya RDC teme ko koma mboka yango moko pe RDC ba s'engager ki pona kokota na kati ya EAC na kati ya EAC parce que na kati ya EAC ne ba kokokisa ba posa nyoso wana oyo makamba kata ki na kati ya ba makambwana pe ba lobi ke esika wana kote wana nyoso il faut ba pesa bango moi eloko moko eko sécuriser bango moi armé moko moi donc tokolo bake moi organisation moko lokola kaka force régionale donc moi organisation moko bo sécuriser bango. Et il y a un peu de force régionale, et il y a un peu de force régionale, et il y a un accentuer la balkanisation, et il y a confirmer la balkanisation, parce que tout c'est dans les accords, il y a 2013 au Bassinia, et le président Félix a refusé. A boy que le M23, il y a un peu de FARDC, a refusé, c'est pourquoi maintenant sa tête est mise à prix, à Kende, ni le loi de l'homme Moussika. Mais les Congolais, ils ont été réellement. Le président Félix Tshisekedi a télémeli bakor nyoso ne ezoteka Congo et teka ki Congo au Rwanda Kagame alobela ki ke banda kala makambo le kaka bitumbele kaka na kacha SRDC bato bayebela kango mutuna makolote mais na ntie elika langa na force régionale bango ne baye na ntie elika langa pola bango pona mabele langa ndambo ekenda ba na RDC azwa banda 1885 ne na nzela na bango na ko récupérer yango. Il y a un complot depuis longtemps et Rwanda n'est qu'un exécutant parce que il y a Laurent Désiré Kabila na kata bokonzi ba sinisé ba contrat que tango okende kuna opesa 300 km mabele nayo 300 km wana ezande parti wana nyoso depuis Laurent Désiré Kabila ayele bichine peut trahir le Congo ayé balukile liwa balukile bitumba parti ba excédé RCD ba côté na kata gouvernement na 1 plus 4 et que comme on va s'accorder satisfait et que baie que bimisa CNDP ba seli ba corps na 2009 pour la côté ka Congo Kabila télé mila ngona muke baie que misere bitumba bazwati goma baie que vandi sei à genoux et que ça ba contrat il y a 2013 voilà yango le président Félix Tshisekedi a comme victime nango que ba ko yina kaina ba communauté internationale parce que plan na bango arrêté yango plan Kagame arrêté et ba peño sa carte Afrique et sa mise en contribution pour nakoyeba ko isoler RDC même Sadek va payer belé hein président Félix alobaki ke nga na sengate Sadek aya mais na kati organisme na biso Sadek ta mboka moko tungisa mi bango foya en secours bango moko nde baya ba proposa baya en secours nga na senga bango te ezaki maloba moko nza moko président Félix Tshisekedi de yangwana makambwana na premier sujet ezande yangwana président Félix Tshisekedi a tonné penza pona likambwana. Il y a les bosses, je crois qu'on va comprendre vraiment que complot Oyo et Bandera Mokala et Bomalou Mumba, Matelemela, colonisation, on a aussi besoin d'indépendance. Mais comment vous continuez à mettre votre main sur le pays que vous gérez Bilo Konyo Swana? Donc, jusque-là,
ba colonisateur ba boya ko pesa biso indépendance ya solo ba pesa ya monoko apparemment mais na kati penza ils sont encore nous sommes encore sous la colonisation politiquement économiquement c'est pour cette raison dans le cas délivrance même les catholiques aujourd'hui qu'on parle c'est toujours leurs habitudes bana tan wana ils étaient toujours un avec les colonisateurs. Le pôle d'Atinda, le catholique, pour ne pas qu'il ne soit pas au Congo. Mais Atinda, pour ne pas détruire le Congo. Et c'était dans leurs habitudes. Ils sont toujours derrière les tueurs du Congo, les agresseurs du Congo. Ça a toujours été leurs habitudes. Et on ne peut pas changer nos habitudes. C'était qui? C'était les catholiques. Sous couvert que non, il y a Zoté, Mais c'était. Nous avons une indépendance. Nous avons une indépendance. Nous avons qui est. Et les catholiques, les colons, c'était les catholiques. Et c'est la même chose jusqu'aujourd'hui. Ils travaillent toujours dans l'heure. Mais ce n'est plus le temps, il y a Kala. Maintenant, nous sommes dans le temps Oyo, que Congo a côté de la laïcisme, pays laïque. Et ça, c'est l'église, mon côté, l'église État. Pour dicter comme l'État a parlé, par l'État Zolan. Et tirer la soutien. Et les catholiques doivent un peu s'aligner dans la logique où okay, nous ne sommes plus dans cet état là-bas. Il y a tant qu'à l'exemple, catholique c'était l'église état. Maintenant nous sommes la RDC, pays laïque, où toutes les églises sont dans le même pied d'égalité. Bah, émettre bah, opinion bah, en tant qu'individu, mais pas comme église, pays l'état là-bas. Voilà. Kabila, parce que c'est là qu'on invite, et pas il y a Kadima Lolenge à Kosala Kango, mais Ferdinand Kambere à Tomboki. À Tomboki, dans le langage moko sec. Hein? Et à l'obéke. Kadima a la qualité mon côté pour inviter le sénateur à vie Joseph Kabila. Joseph Kabila ne doit pas aussi répondre à cette invitation. Cela devait être adressé au moins à Raymond Tshibanda, au lieu que ça soit adressé à Joseph Kabila. Alors le PPRD rappelle et insiste sur une commission électorale indépendante consensuelle et une cour constitutionnelle impartiale. Donc il faut bazonge là quand on est opposé à l'obaka bazonge là recomposition il y a CENI recomposition à cour constitutionnelle bango pe bazaka na posa eloko wana esamela bongo. Alors au cours d'une entretien avec Bernard Quintin, directeur adjoint et à Union européenne au Batinda en Afrique, le FCC réitère sa position de ne pas participer aux élections bokenda bino bino na ba musite bozana bino na posa te bokende participer aux élections sans que ces préalables démocratiques ne soient pris en compte. Et côté à la Kosimbate, il y a besoin de reconstituer le bureau à cour constitutionnelle, à CENI, loi électorale va réviser, audit à fichier électoral pour Mindele, tout ça. Il faut aussi élection dans les délais, ça c'est pour troubler les têtes des gens. Donc ça va troubler des gens, fauteurs de troubles. Alors le chien aboie, la caravane passe. Jamais. Consensus, au besoin de consensus. Ceux qui battent 10 dans la 4 Ndako, 6 vont adopter oui, 4 vont non. C'est qu'il faut suivre qui. Jamais même dans la 4 Ndako, ils ne sont pas dans l'opinion, ils ne sont pas dans l'opinion. Ils ne sont pas dans l'opinion. Mais la majorité est dans la 4. Et la majorité est dans le Parlement. Ils vont voter à l'électoral, ils vont voter au bureau à CENI, ils vont voter au bureau à la Cour constitutionnelle. Et maintenant, vous dites que vous cherchez quel consensuel dans vos termes, mais vous devenez comme des gens qui n'ont pas étudié. Consensuel. Loi et majorité, il y a un débat à la 4. Vous avez dit que vous reconstituer pour reprendre le bureau à CENI, mais vous avez une élection dans les délais. Donc, vous avez une élection, vous avez déjà que le président Félix a reçu. Maintenant, vous voulez déranger. Vous avez une panzana. Et vous avez une sengotoke na 1 plus 4, vous avez une bingi susu. Mais vous avez une bingi. Alors, ma kambouya insécurité, si vous avez une bingi, vous avez une bingi. Vraiment, exploit, et vous avez une bingi, vous avez une bingi, vous avez une bingi, vous avez une grand bandundu. Vraiment fort de ses exploits. Dalina Yoki Sabino, moi et Loko Moko Yamouke. Encore dans le filet des éléments de la 11e région militaire sous le commandement du général-major Jonas Apadiri, 19 miliciens Mobondo, parmi lesquels une jeune fille, tous arrêtés après une attaque de la milice Mobondo au pont Kwango. La nuit du 3 juillet 2023, poursuivant la traque et la neutralisation de la milice Mobondo dans les territoires de Kenge et Popokabaka, le général-major Jonas Apadiri, commandant de la 11e région militaire, a fait une descente
dans les zones jadis troublées par ces miliciens pour s'enquérir de l'effectivité de cette opération, suivant ainsi les instructions du commandant suprême, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de la ville de Kenge, passant par Tshabakwenu, Wamba, Bukanga Lonzo Mission, jusqu'à la commune rurale du pont Kwango sur la RN1, la 11e région militaire réitère l'appel de soutien de la population congolaise au fait de s'installer dans ces entités en vue de faciliter le retour à l'ordre et de la paix totale. Occasion pour le général-major Jonas Apadiri de remercier toute la population de la commune rurale du pont Kwango pour leur parfaite collaboration avec le FARDC lors d'une attaque de cette milice le 3 juillet qui a permis aux éléments de la 11e région militaire de récupérer 12 armes, 8 machettes et plusieurs fétiches de ces miliciens qui sont mis à la disposition de la justice militaire à Kenge, à la grande satisfaction de toute la population du Kwango qui invite l'autorité compétente à toujours mieux outiller la 11e région militaire. Notez que cette opération de traque et de la neutralisation de la milice Mobondo sous le commandement du général-major Jonas Apadiri avance très bien car à 2 jours seulement, les éléments de la 11e région militaire ont réussi à mettre la main sur 70 miliciens et rassurent toute la population qu'ils vont traquer ces Mobondo jusqu'au retour total de la paix. Merci, merci. Tozokoba na kopesa ba information na biso wana ezaki ba exploit ya ba FARDC na kati ya mboka ya Grand Bandundu. Eza esengo mingi ko yoka ba témoignage ndenge wana. Eza penza malamu tango tozokoba ba exploit ba FARDC bazo sala epesaka esengo. Epesaka esengo makasi. Me tokoti sikona ba information ya mboka ya Kisasa awa pona makambo ya kidnapping. Tobi ke makamba ba enlèvement eza makasi kaka tango ba osambisa bango kuna na masina na begatef kaka mukula lobi yekomona mutu kamoko ya transport eza lokola 207 mais oyo zaka mulaiwana bazala kina batu moko entassé na kati kuna déjà drogué ba kuta ki kozo bango siku wapi mais je crois ba mona ki ke soki ba memili bango kaka ndengo wana eza mabe ale balongola ki bakiti nyonso na ba drogue na bango basiliko côté sabango entassé kaka ndengwana de baso kende mais de grâce ba komi côté masina pour na balé ka mbutiage zaki makasi ne tant ka mbutiage wana mi balé nde moi esprit et se ressaisir batali ba mitali ba musu balala ki balamuki ba bandi ko beta ba vitre mutu kawana parce que zaki nde mutu kawana ndenga lobi za lokola 207 auto benga ka esprit de mort mais zaki penza na ba vitre ngo prenza ya ko kangama. Alors, je vais mettre un peu de temps. Je vais mettre un peu de temps. Je vais mettre un peu de ba chauffeur wana, na kate ba pulusi, bazi mutuka wana ba tumbi yango. Donc, bazo kanga batu wana, mais ezo si la kakate. C'est pour cette raison que la population azo senga penza, il fallait ba mesure draconienne. Il faut qu'on luka cause, agent causal. Ba oyo, bazo poma, ba oyo, bazo tinda. Mais ba oyo bazo provoquer biloko wana et ça ne ba nani. Alors ba akage déjà ba féliciter déjà nani oyo ba longola ki magistrat moko pona ye azale ki tawelo suko bi misa bato ba wende ko kanga ba wende ko yiba bato ba keche ba moto ko boma ka bato ko kanga ka bato ba zoko libérer bango. De pour avoir accordé la liberté provisoire à un kidnappeur récidiviste, l'auditeur des garnisons de Kinshasa Gombe yende balongola ki na moko ya magistrat na ye balongola ki bango et pa ya auditeur général des forces armées. Alors akage a sepli na eloko wana association congolaise pour l'accès à la justice s'est dit satisfait de cette décision et félicite l'auditeur général des FARDC pour cette prise de position. Abande kokuta masina pe bataleke na kata groupe ya ba 27 oyo bakangaki oyo 6 ya bana basi 4 policiers
ne ba monika mutu oyo nzoka yango mikolo azosomba mituka balabi boso okipe na ye posoki azongi kana masina biso mako toko san charge na ye toko tumba ye yewana eza mise en garde ya bana masina oyo bapesi pa ndeko na bango oyo bamonaki. Alors HJ eza nde hôpital moko ezalaka ya ba indien message moko bapesi HJ HJ elobi ke nous sommes contre toute personne qui essaierait de tenir son image sur l'affaire achat des organes. HJ azolobake ngai naza contre bato nyonso bazolinga ba baby sa lokumu ya hôpital na biso pona kolobake biso toza à la base ya koyeba kosala achat des organes. Suite au message de rumeurs sur les réseaux sociaux que le HJ nie toute implication au phénomène kidnapping. Wana eza ki message oyo bandeko ya HJ ba lobby ke wana batu wana bako porter bango en justice. Eza pona nini ba HJ ba eko sala ba déclaration wana ba eko sala ba menace wana eza a partir ba message ezo leka na réseaux sociaux ya ba rumeurs moko ezo leka na ba réseaux sociaux ya ba agent d'organes. Que HJ Hospital a un laboratoire moko, et à côté à IPAC, laboratoire wana, de eza à la base ya kosombaka, ba re ya batu. Et c'est pour cette raison, le groupe de kidnapping se multiplie après leur forfait. Le lieu de vente des organes humains, c'est là, dans le laboratoire wana, où eza pembeni ya IPAC na Ngiringiri, d'après ba rumeur na ba réseaux sociaux. Bango moko pe batu ya HJ batangi po bango pe bazaka na ba réseaux sociaux. Alors population kuna lobi ke fermeture ya laboratoire wana ya Ngiringiri eza exigé et c'est une façon de bien arrêter l'hémorragie. Wana tango batangi eloko nde HJ sikonde ayoko pesa communiqué qu'il est contre toute personne qui essaierait de tenir l'image de son image sur l'affaire achat d'organes. Suite, c'est ça. Donc, Yangwana, Andeko, tant que vous avez sa confirmation que Bango, Zalana preuve, parce que HJ a tiré déjà menace que celui qui sera pris comme Moutou Azoko Terni image, qui insiste et qui confirme, alors il sera poursuivi par l'hôpital HJ. Boyoki, voilà, Papa Patrick Mouyaya. Yé aibinako benga population ba cédé na peur té ba cédé na panique té ba yoka lokutia té parce que makambo ya kosomba ba organe ki sasa exacté wana papa Patrick Mouyaya wo kama kambalobi depuis le 4 juillet 2023 a sala interview oyo papa Patrick Mouyaya ministre de l'information a appelé depuis le 4 juillet 2023 la population à ne pas céder aux paniques à ne pas tomber dans la panique et dans la peur, à ne pas se fier aux rumeurs par rapport à Ototeangi, à ne pas se fier aux rumeurs et il ne faut pas tomber dans la peur, dans la panique. Hein? Et le ministre de l'Information, Patrick Mouyaya, émet des réserves sur l'affaire trafic des reins. Donc, il y a en tout cas, à Yokina Nouté, Batouana Kolobake, Mbakambazo sala kamabe ko sala ka kidnapping ko lever batu ezande pona kokata batu barin en tout cas ye makambwana aye biangote. Alors il demande un numéro vert et pas à la police après sa baba population pona ko faciliter communication ezala bien en cas d'urgence et papa mouya ya pas sur le baquet numéro vert wana tango pesama et ko sala cela facilitera la déconstruction des fausses nouvelles sur le phénomène trafic d'organes. Donc, numéro un, il faut faciliter parce que le kouta est kouéa, est boukana, est à la éradiquer. Pour les autres, le batouana, baso côté kaka, ba organe. Donc, pour la papa mouyaya, à Longoli, phénomène wana, oh, ya côté kaka, ba organe, papa mouyaya, lobi, exaté, à émettre des réserves pour na elokuana. Mais, dans l'inquiétude, que Sabino Lissousou, confirmation kaka ya batou, oyo, je suis la lingala, la lingala, le bal lingala, le bal m'couche pour ça l'andegeli. Naza, grand voleur reconnu, oh, on a camané plusieurs fois dans la police. La route qui vous a la prison, elle m'a dit maki, Naza Akina, la grâce présidentielle, Naza Akina, idée, il y a pour ça la soupe à forfaiter, si il y a un coup de tanana, fashion, oh, il y a grandiwana. Aïe, qu'on récupère Maï. Aïe, dis-moi que
il faut que comme ça soit là enlèvement. Il y a une équipe qui est en prison. Il y a une équipe qui est en prison. À partir de Yende Koutou, tu dis que, pas Longola, magistrat Wanana, Moussouana, ce qui est auditeur Wana. Au moins, ma camarade Zoleka. Alors, la CAS, Oyo, Commission africaine pour la supervision des élections, y accuse le pouvoir de planifier et d'organiser des actes de kidnapping, d'enlèvement pour éviter d'organiser les élections. Wana, Moutazo, Lobabilo, Kouana, Ndesande. CAS, Commission africaine pour la supervision des élections. Il y a une banquette. Alors, il y a un gouvernement qui a organisé. Il y a un gouvernement. Mais réellement, biloko ya kidnapping et ça la batu baza simalango. Il y a toujours des hommes politiques derrière. Ndenga makamba mobondo. Toloko takaba na mobondo, toloko takaba obakangi. Et to bano kanga kaba okaka jusqu'à l'infini tant que ba arrêter nanu la cause de. Il y a des gens qui sont source bako alimenter bango. Bako lier sa kabango, bako finance sa kabango. Bazali, ce sont des hommes politiques qu'il faut d'abord commencer à arrêter. Donc, il faut arrêter l'hémorragie, il faut arrêter la cause, il faut arrêter l'agent causal. Sinon, tu as dit que 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 tu quel homme politique déjà as dit. Mais bozo kangaka kabato to kangaki 70 to kangaki mais ces gens bato la bazo lo baké bazo tina biso financier yeyo muta pesa biso mbongo yeyo mukoleni bokangaye alors ce que bato akaze oyo bazo lo baké ezande gouvernement place po ozo koka kokanga ba on politique te sango ko kokanga ba on politique wala te ba sima bato ba boma ba sima bato ba kidnapper ba c'est que bilo gouvernement ba complice. Comment vous ne voulez pas organiser service ou singeli pour Lukaba oyo papa oyo alobi ke na kola kisabino bisikano so bango bazali na kola kisabino banda babandiango ba on politique bazali simabiloko to kangi nani mukolo na koyeba ke gouvernement ya solo makambu kaza solo bazali okuta fona mona na ba on politique bakangami. Il y a des hommes politiques comment papa mouya yokolo bakonga na bima kamba bakina pinte sans d'abord écouter d'abord batwana. Non, ce n'est pas possible, c'est inacceptable. Il faut battu ba ko tinda kabana wana ba kende ko zwa battu ba kende ko sala enlèvement ba yaka pamba te ezala battu ba tinda bango bango moko ba lobaki yango batamo bondo pe si ba lobango. Quand est-ce qu'on a arrêté des hommes politiques qui sont derrière bo kanga kati bo ko kanga république mombe bo kangi yango e battu ba tinda kabango ba ko rekite ba tinda ba Brazzaville même nous tawabela bo ko na motawabela malaria mona kaka fièvre. Mais vous pensez à Moutou, à Dipiron, vous pensez à Moutou, à Rifedol. Vous avez une fièvre. Mais vous avez une fièvre, c'est la malaria. Tu es la malaria, tu es le microbe. Lélo, il y a des gens qui parce qu'il y a des hommes politiques derrière. Il va voir Mélanango. Et il faut avoir, faut prévoir des sanctions. Quand on a un bateau en athée. Mais allez jusqu'à ti pensant que papa Peter Kazadi Olobaki, au Colande, la Siko, il y a un souka. Et la population congolaise, c'est la poste à Koyeba. Oya bobondo bolo baki oteke na bayaka baya ba conflit mabele nenge comité na Congo central kuna se bateke na bayaka ba conflit mabele
c'est que vous envisagez autre chose. Voilà pour ça vous éliminez les Congolais. Vous êtes ma belle, vous êtes ma belle. Et même, il y a des gens qui sont dans les FCS, et pardon, dans les Union Sacrée. Comme on a cité, qui sont même des pions de Rwanda, mais ils sont dans l'Union Sacrée. C'est pourquoi le président de la République n'a pas confiance à tous qui sont dans l'Union Sacrée. Et comme ce qu'on m'a cambolé sur le colis, la masse s'était en accord à l'Union Sacrée. Parce qu'il y a des gens qui travaillent contre la vision du chef de l'État. T'as là-bas dossier, et ils ont accord à côté à affaires foncières. On a le point à Moutou. Justice moko pourri. Il faut aussi vraiment kotia liboko na justice. Président de la République, démocratie c'est ma coquille le lot pour la kolobako justice indépendante. Ma coquille wana zana noté. On continue la fois prochaine pour minute ici. Plus 243 89 92 51 866 pour la numéro Oyo singile ba Oyo ba libasa ba forage ba benga numéro Oyo. Il y a beaucoup à dire, il y a des démons, des gouverneurs criminels là, mais ça va se savoir. Ça ne va pas toujours demeurer comme ça. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par venir. Au revoir et à la prochaine. Avec Dieu, nous ferons des espoirs.